Et bonjour à tous, c'est les informations, on se retrouve pour l'épisode 4 de notre tiers suivi sur la Riesenbeck. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas partir répandre de l'engrais, hein, parce que bon, je sais qu'il y a les pans derrière le petit fence, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va simplement partir déchaumer, voilà. Après, du coup, on va rentrer le petit fence à la maison. À la maison, plutôt à la ferme, parce qu'à la maison, ça va être un peu compliqué. Et du coup, là c'est bon, on peut y aller. Et on va, merde, juste mettre les gyrophares, voilà. Et du coup, pourquoi je vais partir déchaumer? Tout simplement parce que, pourquoi je vais déchaumer alors que j'ai labouré? Plutôt, on va essayer de dire ça un petit peu plus logiquement. J'ai un petit problème de câble, voilà. Alors, tout simplement parce que, oui, je sais, j'ai labouré, mais pour que l'engrais fasse effet, en fait, de mémoire, il faut tout simplement le déchaumer. Faut pas forcément déchaumer, mais faut au moins travailler la terre. Et vu que j'avais mis de la chaux avant sur tous les champs, du coup j'ai mis de la chaux sur tous les champs, puis après j'ai labouré, parce qu'il fallait travailler la terre. Et puis, puis du coup, entre deux... Merde. C'est bon. On va dire. Non, on peut pas le lever, bon, bref. Du coup, vu que j'avais travaillé, et puis j'ai labouré, et puis du coup derrière, là, il faut que j'ai foutu de l'engrais sur tous les champs, et puis bon, maintenant faut le déchaumer, voilà, tout simplement. Donc, du moins, je me suis déjà fait avoir sur la Belgique profonde, tout simplement. Je me suis déjà fait avoir sur la Belgique profonde en faisant ça, en fait, et du coup, j'avais perdu l'engrais que j'avais dans le semoir, bien évidemment, et ça revenait à la même chose, simplement, genre. T'as beau épandre avant, mais si tu travailles pas la terre, et ça fait comme si t'avais mis qu'une seule fois de l'engrais, alors que t'as de l'engrais dans le semoir. Enfin bref, j'étais super content quand j'ai appris ça, hein, on va dire. Enfin bref, du coup là, ce qu'on va faire avant tout, oui je suis allé un petit peu comme une brute là-dessus. Enfin bref, avant de partir déchaumer, on va aller chercher notre nouveau déchaumeur et puis on va vendre celui-là. Simplement parce que j'en ai installé un en mode, donc c'est celui-là mais en plus large, tout simplement, voilà. Je crois qu'il m'a coûté aux alentours des 25 000 euros ou une connerie du genre. Attendez, on peut vérifier vite fait. On met les warnings, les feux de détresse plutôt. C'est celui-là, il fait 7 mètres et celui-là il fait 4 mètres, voilà, du coup. Oula. Je l'ai pas acheté, ouais, je devais avoir acheté 25 000 à peu près. Enfin bref, oula, j'ai des petits coups de lag là, je sais pas pourquoi. Mais enfin bref, du coup, ouais, c'est histoire d'augmenter la productivité, si on peut dire, voilà. J'ai la priorité, merci, enfin je crois. Donc voilà, et puis la prochaine chose que je vais changer également, c'est le semoir. Oula, j'ai le volant du tracteur qui bug un peu là. Oula, ok. La prochaine chose que je vais changer, du coup, ça va être le... Merde, comment ça s'appelle? Le semoir, voilà. Pour la simple et bonne raison que, 3 mètres, c'est pas vraiment large en fait. Hein. Non, je peux te l'assurer que c'est pas très large. Hein. Enfin bref. Parce que labourer tous les champs, enfin labourer plutôt semer tous les champs que j'ai à semer avec 3 mètres, c'est chiant. Déjà que déchaumer avec le 4 mètres là que j'avais ici, là c'était déjà ultra chiant, mais alors semer avec un 3 mètres, c'est encore plus chiant. Du coup, c'est la prochaine chose que je vais changer. Hop, on a 96 000 euros. Mine de rien, c'est pas mal. Voilà. Miracule. Putain, je suis curieux de savoir combien il coûte exactement ce... Après, on va vérifier, c'était dans cultivateur, je crois. J'ai peut-être déjà passé. Ah non, là. Ouais, 24 000 euros. Voilà, 24 000 euros, c'est très très bien. C'est très très bien, c'est un prix très très raisonnable pour ce que c'est. Hein. Même un peu moins cher que prévu, enfin bref. Et pour les semoirs, d'ailleurs, je sais pas encore quel semoir je vais prendre. J'ai pas envie de prendre le petit 4 mètres d'origine du jeu. Je veux voir si je peux en trouver un en mode. Ça serait sympa. Alors, on va prendre une autre route pour rentrer, on va aller tout droit. Okay. On va passer par ici pour rentrer, histoire de changer un petit peu de route, hein, pas toujours par la même route, c'est chiant. Okay, du coup, là, il faut prendre ici à gauche. Okay. Voilà, nickel. Okay. Du coup, prochain truc que je vais changer, ça va être le semoir, comme dit. Parce que 3 mètres, c'est chiant. Et également ce que j'ai fait, parce que dans la dernière vidéo j'avais parlé de vendre le champ 1 et puis en racheter un plus près de la ferme. C'est ce que j'ai fait, j'ai vendu le champ 1 comme vous pouvez voir sur la map. Donc c'était celui qui était juste à côté du magasin. Et du coup je l'ai vendu.
Et puis j'ai acheté le 36 qui est à côté de la ferme. Bon, de toute façon, on va limite passer à côté, donc je vais pouvoir vous... 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Vu qu'on va limite passer à côté, bah, je vais vous montrer lequel c'est. Voilà. Et du coup, comment ça se fait également que j'ai 96 000, parce que pour le champ 1, j'ai gagné quoi, 45 000 euros, donc c'est pas ouf non plus. Mais le champ 36, il a quand même coûté un petit peu plus cher. Donc comment j'ai fait pour avoir tout cet argent-là? What? Mais oh. Et tu peux te décaler un petit peu aussi, hein. Connard, va. Enfin, bref. Du coup, comment j'ai fait pour avoir cet argent-là? Bah, simplement, j'ai récolté tout le colza que j'avais, j'ai tout vendu. Et puis, bah, du coup, là, j'ai encore 96 000 euros. Bien évidemment, j'ai vendu mon ancien des chômeurs, voilà. Play. Du coup, on va commencer par faire le champ 28, je crois que c'est. Ouais, c'est le champ 28. Play. On va se garer ici, vite fait, histoire que je puisse vous montrer le champ que j'ai acheté. Donc, c'est le champ qui est juste à côté de la ferme. Play. Donc c'est celui-là, c'est de 36, il est vachement grand quand même, mine de rien, on va pas se le cacher, il est plutôt grand. Donc voilà, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai envie de changer le semoir, parce que semer tout ce champ-là avec le semoir de 3 mètres, j'en ai pour une éternité. Voilà, parce que déjà que pour semer le champ... C'est bon, je peux y aller. Parce que déjà que pour semer le champ 28, là où on va maintenant, parce que j'ai envie de changer un petit peu... pour semer le champ 28, j'en avais chié, hein. Je peux vous assurer que j'en avais chié, hein. je peux assurer. Donc là encore, semer le 36 avec un semoir de 3 mètres, non, ça va pas le faire. Je vais devenir fou, mais vraiment fou de chez fou. Enfin bref. Clé. Vas-y, tourne. Voilà. Et également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la charrue. Oula. J'ai changé la charrue, tout simplement. Vas-y, ça se déplie normalement. Oui, j'ai changé la charrue, appelez, je vais vous la montrer vite fait. Donc j'ai pas pris une charrue genre classique. J'ai pris, bah en fait c'est un déchaumeur à dedans, mais ça compte comme charrue, donc c'est ce truc là. Ça compte comme du labour en fait dans le jeu, donc bon, autant en profiter tout simplement, ça va carrément plus vite. Je crois que c'est un 5 mètres, 6 mètres, 6 mètres je crois, je sais pas. Appelez, on peut vérifier vite fait. 6 mètres, voilà, et 6 mètres, en plus 17 000 euros c'est pas cher du tout, hein, c'était carrément bénef. Plaît. Voilà. On va partir des chômeurs avec le putain des chômeurs de 7 mètres, les gars, c'est énorme. 7 mètres, de... on est qu'à l'épisode 4 en plus, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on est qu'à l'épisode 4. Enfin bref. Wow, 18 km/h, ah ouais, on roule vite, hein. Enfin bref, là au moins on est productif, c'est ce qu'on va dire, là au moins on est productif, et pas qu'un petit peu, on va dire. Et là, ce que je suis curieux de savoir, c'est est-ce que si là je fous encore un coup d'engrais dessus, est-ce que ça va compter comme deux fois quand je vais le semer? Parce que du coup, là, avec le semoir que j'ai maintenant, je peux pas mettre d'engrais dedans. C'est une bonne petite question. Bah écoutez, on va essayer. Enfin, on va essayer. C'est plutôt moi qui vais essayer en vidéo, tout simplement. C'est histoire de voir si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, bah tant pis. Tant pis, tout simplement. Appelez. Ça serait cool que ça fonctionne. Mais bon, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Enfin, bref. Donc voilà. Donc je sais pas quand cette vidéo elle sort. Normalement, elle sort. Attends, on est quel jour aujourd'hui? On est. Mardi, mercredi, je sais plus. Jeudi, plus. Oh merde, on est déjà jeudi. Oh, j'étais encore début de semaine, moi. Enfin bref. Du coup, jeudi, du coup, vendredi. Ouais, du coup, elle est censée sortir dimanche. Dimanche, parce que vendredi, vous avez eu l'épisode 3. Samedi, l'épisode tir interne de la Belgique profonde. Donc ouais, cette vidéo-là est censée sortir dimanche. Donc j'espère qu'on sera aux 400 abonnés. J'espère, hein. Pourquoi? Bah pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas, j'ai limite envie de te dire. Donc voilà, donc merci à tous, si on n'y est pas encore, bon bah, ça arrivera, hein, j'espère, à moins que tout le monde se désabonne d'un coup, ce qui serait un petit peu bête, mais enfin bref. Appelez. Vas-y, tourne. Bon, je sais, je ne fais pas forcément les fois hier, enfin les fois hier, je les fais directement comme ça c'est fait. Appelez. Je sais, c'est pas réaliste, mais c'est pas grave. Yep. Voilà. Et ouais, du coup je sais pas si on les aura déjà ou pas. Si on les a, merci beaucoup. Si on les a pas, bah normalement ça va pas tarder. Appelez, parce que là on est à 397 de mémoire. Ouais, on doit être à 397. Enfin bref, et également pour la vidéo des 400 abonnés, ça va arriver, et cette fois-ci j'y tiens vraiment à vous faire une vidéo spéciale 400 abonnés, parce que j'en avais fait une, enfin j'avais dit que j'allais en faire une pour les 100 abonnés. J'en ai pas fait. J'avais dit pour les 200, enfin les 200 j'avais fait un live, mais le live il est dégueulasse, donc voilà, enfin on a eu les 200 abonnés en live, mais bon, le live était dégueulasse. Les 300 j'avais dit que j'allais faire une vidéo spéciale de mémoire, mais j'en ai jamais fait. Donc voilà, du coup pour le 400 abonnés, là, je tiens vraiment à y faire, et cette fois-ci je m'y tiens. Play. Voilà, cette fois-ci j'y tiens. Et puis donc voilà, et d'ailleurs j'ai déjà des petites idées, etc. Bon, la vidéo risque d'arriver avec un petit peu de retard.
Simplement parce que bah, c'est une vidéo avec d'autres personnes et puis les autres personnes pardon ne sont pas forcément disponibles maintenant. Voilà. Et puis je ne savais pas si bah, quand est-ce qu'on va aller, quand on 1 2 3 j'y arrivais. Je ne savais pas quand on quand est-ce qu'on allait avoir les 400 abonnés sur la chaîne, je savais pas. Justement, je savais pas parce que sinon j'aurais bien tourné ça la semaine dernière, mais je me suis dit ouais, il y a encore 2 3 semaines avant qu'on les atteigne parce qu'on était qu'à 280 ou une quinzaine de joueurs. Je me suis dit ouais, il y a encore 2 3 semaines avant que avant d'y arriver. Peut-être même pas, hein. Peut-être même que qu'on va les avoir aujourd'hui, c'est-à-dire à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Hop là. Qui sait. Je tourne. Voilà. Nickel. Également, faudrait que je fasse... Ouais, peut-être que cette vidéo-là ne sortirait que lundi, en fait, parce que j'ai envie de faire encore un petit peu une vidéo sur un autre jeu. Je sais pas encore lequel, peut-être GTA, peut-être un autre jeu, je sais pas. Hop là. Voilà. On verra bien, du coup je sais pas si ça va sortir dimanche ou lundi cette vidéo là, mais enfin bref. Parce que c'est vrai que là du coup, maintenant que j'y pense, je n'ai que deux séries, c'est-à-dire la Belgique profonde et puis celle-là, Harrison Beck. Oula, voilà. Parce que la Agri France, bah j'ai décidé de l'arrêter, tout simplement parce que bah elle m'a saoulé. J'avais pas peur de le dire, elle m'a saoulé la carrière. Bah, surtout la main qui m'a saoulé, puis bon la V3 prend quand même vachement de temps à sortir. Un petit peu trop à mon goût, mais bon. Je préfère qu'il prenne son temps et puis franchement je sais pas si je vais faire des vidéos sur la V3, ça on verra bien. On verra bien par la suite. Mais bon, vu que normalement il va y avoir des vidéos audio qui vont arriver d'ici pas longtemps, je sais, ça fait une semaine que je le répète. Mais on était déjà censé tourner une vidéo. Oula, j'ai tapé mon micro. Et on était déjà censé tourner une vidéo il y a une semaine à peu près, mais bon, on a eu des problèmes, etc. Enfin bref. Déjà on n'a pas les bonnes versions du jeu, après il y a des modes qui fonctionnent pas, après il y a ci, après il y a ça, enfin bref, il y a toujours des petits problèmes à droite à gauche et que, bah, qui ont fait que bah, au final on pouvait pas tourner. Donc voilà, et puis l'autre personne avec qui je suis censé faire maintenant, bah ça va durer encore un petit peu parce que j'avais promis qu'on allait faire le premier épisode de notre carrière suivie ensemble, donc voilà. À moins qu'il y ait aussi une autre personne qui est sur mon Discord qui vient, enfin à moins qu'il y ait une autre personne qui vienne en plus, à moins qu'on soit trois tout simplement. Enfin bref, je sais, je m'explique très mal, mais c'est pas grave. Voilà. Du coup, ouais, on verra bien si... Ouais, je sais pas. Ouais, du coup, il va y avoir trois séries, ça c'est sûr. Il y en aura une troisième, ça je peux te l'assurer. Enfin, je peux vous l'assurer, du coup. Il va y en avoir une troisième série en multijoueur. Parce que c'est vrai que le multijoueur, en général, c'est quelque chose qui plaît. Oula. C'est quelque chose qui plaît parce que normalement, tu vois, tu passes un bon moment à plusieurs, tu vois. Et quand t'es à plusieurs, généralement, tu t'amuses quand même plus. Je dis bien en termes général, hein, pas toujours, pas toujours, parce que bon, si c'est pour s'engueuler, non. Parce que généralement, quand t'es tout seul, tu ne t'engueules pas trop, hein. Enfin, à moins que tu sois bizarre et que tu t'engueules tout seul, enfin bref. je ne juge personne, hein. Enfin bref. Généralement, quand t'es à plusieurs, bah tu passes du bon moment, etc. Tu peux partager plus de bons moments, tu vois, tu peux partager des délires ensemble, etc. Et c'est vraiment un truc qui me manque, parce que je faisais des vidéos multi. J'ai arrêté hein, tout simplement parce que bah, j'ai eu des problèmes avec cette personne là, je préfère pas rentrer dans le détail. Hop là, voilà, nickel. Et du coup oui, je sens que ça va vous plaire de multijoueur, parce qu'il y avait même une personne, je suis désolé, que je ne me souviens pas de ton nom. Il y avait une personne qui m'avait demandé de faire du duo. Enfin de faire des vidéos en duo et je lui ai dit oui, bien sûr c'est prévu, bon pendant pas très longtemps, je ne sais pas encore quand parce que l'autre personne bah elle est pas là en ce moment. Enfin la personne avec qui j'avais promis, bon de toute façon vous verrez bien dans la vidéo même, hein, appelé, qui ne se sent. Wow, reste de ton côté toi. Bah oui, mais tu coupes à travers aussi, trou. Mais n'avance pas. Merde alors. Ah oui, et derrière ça ose me klaxonner, tiens. Mais ta gueule. Si tu ne t'étais pas avancé, mais... Oh, tu vas pas me casser les castagnettes 24-7 non plus, hein. Voilà, tout ça parce qu'il m'a coupé la route, quoi. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu moi qui ai pris trop large, je suis désolé. Et moi, au moins, je m'excuse et je klaxonne pas comme ça. Oh, c'est drôle, hein, de klaxonner. Putain, tu vois, bon, là, je gueule, mais je m'engueule pas, moi. Hein. Je tiens à préciser, je gueule sur les camions fictifs. Hein, sur les PNJ, j'ai envie de te dire. Alors, alors là, par contre, va falloir que je fasse attention. Parce que là il y a la petite cabane, du coup sinon ça risquait de taper, voilà. Enfin, limite j'ai envie de te dire j'aurais pu passer mais c'est pas grave. Hop là, voilà. Ouf. C'est bon. Ouais. Nickel. Hop là, ça se déplie. Donc on va partir de chômer ce champ. Je sais pas si on va réussir à le faire entièrement en vidéo.
On verra bien. On verra bien. Si on arrive à le faire, tant mieux. Si on n'arrive pas à le faire, bon bah tant pis, j'ai envie de te dire. Et tant qu'au final, on aura passé un bon petit moment ensemble. Ça ferait... c'est le principal. Hein. C'est le principal. Hein. Oui, c'est parti, j'ai bugué. Hein. Tu vois, c'est comme les disques rayés. Je suis un disque rayé. Enfin bref. Oh là. C'est quoi, c'est un marque à la 2 balles. Enfin bref, donc sinon j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ça c'est un petit peu la phrase que je sors à chaque fois que je ne sais pas ce que je dois dire. Play. Voilà. Play. Donc j'espère que cette carrière vous suit. Vous plaît. Cette carrière vous suit. Ouais. Apprends à parler en fait, hein, simplement. Pas, même pas à réfléchir, mais juste à parler. Play. Donc j'espère que cette carrière suivie bah, vous plaît. Hein, moi franchement elle me fait vachement plaisir. Hein, je tiens à le dire. Elle me fait vachement plaisir. Moi je passe vraiment. J'aime bien cette petite carrière là. Je la trouve super sympa. Enfin bref. Play. Même s'il y en a qui vont se dire que je sens d'avance. Hein, qu'il y en a qui vont découvrir cette carrière là pour la première fois. Ou dans la chaîne pour la première fois. J'imagine bien qu'il y en a qui vont dire ouais tu fais deux carrières suivies, une autre cheat, etc. Tu fais que la même chose, etc. Non c'est pas vrai. Parce que j'essaie de varier les carrières no cheat, parce que bon la Belgique profonde elle arrive à sa fin très clairement encore quoi. 10 épisodes, peut-être plus, peut-être moins, je sais pas. Parce que là ça commence vraiment à aller de plus en plus vite l'évolution sur la Belgique. Tout simplement, voilà, parce qu'au début c'est toujours un peu lent, puis au final bah, ça va très vite. Bon là ça va un petit peu tout le temps vite parce que je vends à chaque fois mes cultures, mais bon ça c'est justement un point sur lequel je voulais venir. Ce n'est pas la même chose sur les deux carrières en fait. Tout simplement parce que bah, sur la Belgique profonde, tu vois, à chaque fois je stocke, j'ai enlevé les mauvaises herbes, j'ai enlevé la destruction des cultures. Tu vois, genre j'essaye de faire le plus facile possible. Et ici j'essaye de faire un petit peu le plus réaliste possible. Dans le sens où bah, j'ai mis la fondation des cultures, je peux pas arrêter telle de la croissance des cultures, etc. Tu vois, plein de petits trucs à droite à gauche comme ça qui font que ça change. Et également, je me suis interdit de stocker tout ce qui est culture pour la simple et bonne raison que histoire qu'on puisse profiter directement de l'argent que je me fais. Parce que sur la Belgique profonde, par exemple, tu vois, je stocke, ouais, mais c'est quand que je peux en profiter réellement. Enfin bref, et également là sur cette carrière-là, que chose qui change, c'est tout simplement que bah, je n'emprunte pas d'argent à la banque. Je n'emprunte pas d'argent à la banque comme ce que j'avais fait au tout début de la Belgique profonde. C'est-à-dire que j'avais emprunté 1 million et puis derrière bah, j'ai rendu 3 millions je crois. J'ai dû rendre 3 millions au total. Oula. Alors là je me suis pris comme un pied de biche. Un pied de biquette. Enfin bref, c'était pas du tout drôle. Hein ? Non, je rigole. Donc voilà, tu vois, du coup, j'essaye un petit peu de varier, hein, tout simplement. J'essaye un petit peu de varier le contenu, la manière de faire, etc. Histoire que ce soit pas que la même chose, à proprement dit. Hein, bon, le multijoueur, ça va pas être une carte suivie notice, bien évidemment. Ça va bien évidemment que là, je vais tricher, je vais être obligé. Vu la map sur laquelle on va aller, j'ai intérêt à tricher, parce que sinon, on va en avoir pour 50 ans juste pour récolter un champ, voilà. Hop, juste pour en récolter un champ, et c'est pas du tout le but en fait, hein, non, ce n'est pas du tout le but, passer 50 heures juste pour récolter un champ, c'est-à-dire 5 épisodes, on va passer 5 épisodes pour récolter un champ, tu sais, on va voir l'air bête, enfin bref, play, c'est bon, ça passe, nickel, voilà, nickel, bon, on va dire que ça passe, on va dire que ça passe, voilà, du coup, voilà, c'est histoire de changer tout ça. Play, bon bien, je sais pas si Dirt Rally je vais refaire, je sais que ça vous plaît pas mal, j'ai vu ça en termes de ça. Dirt Rally, c'est vrai que j'en fais plus trop, j'ai fait deux vidéos dessus ou un truc du genre et puis j'ai arrêté. C'est vrai, que moi-même je n'y joue plus vraiment, hein, en ce moment je n'y joue pas vraiment, je suis concentré sur farming, sur mes deux guerrières civiles no cheat, hein, simplement parce qu'il faut avancer, voilà, faut changer un petit peu, faut faire un petit peu d'amélioration entre chaque vidéo en quelque sorte. Donc voilà, tu vois, du coup, je reste pas sur une seule carrière ou sur un seul jeu, tout simplement parce qu'il faut que j'avance. Hop là. Voilà. Nickel. Ok. Ouais, je vais essayer pour l'engrais, là, parce que j'y pensais deux secondes, là. Je vais essayer tout seul leur vidéo, là, pour l'engrais, voir ce que ça donne. Enfin, bref. Du coup, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil de pêche. LOL MDR rigolé SVP. Vas-y recule. Nickel. Donc voilà, du coup je sais plus de quoi je. Ah oui, Dirt Rally, voilà. Donc Dirt Rally, c'est vrai que j'y joue pas vraiment en ce moment. Je joue vraiment que sur farming. ETS2, bah je n'y joue plus du tout, à vrai dire.
Après, je n'y joue plus du tout en ce moment. Bon, après, ça se trouve, il va y avoir un petit moment où je vais y retourner. Tu vois, pour moi, ETS2, c'est un très bon jeu. Alors, je dis pas le contraire, pour moi, ETS2, c'est vraiment un très très bon jeu. Le seul truc, c'est que c'est pas comme Farming où je pourrais y jouer tous les jours, tu vois. Genre, j'aime bien y jouer de temps en temps, mais vraiment, ça peut pas détrôner Farming, tu vois. Enfin, du moins, pour moi, ça peut pas le détrôner. Enfin, bref. Du coup, voilà. Et puis, GTA 5, peut-être que je vais faire une vidéo dessus, c'est vrai, parce qu'il y avait un abonné qui avait... Ouais. Un abonné qui m'avait dit de... Ouais, il m'avait pas dit, mais il m'avait demandé si je pouvais faire une vidéo sur GTA. Donc ça va venir en vidéo détente, hein, tout simplement. Après, bon, il y a encore d'autres trucs qui vont arriver à droite à gauche, hein, bien évidemment, d'autres jeux que je n'ai pas forcément l'habitude de faire, mais qui peuvent faire plaisir, je crois. Ou alors, si ça fait pas plaisir, bon, bah tant pis, écoute, mais c'est pas ça qui va m'empêcher, pardon, de le faire. C'est pas ça qui va m'empêcher de le faire. Simplement parce que bah, j'ai envie, hein, j'ai envie de faire une vidéo sur un jeu autre que Farming, bah je le fais. Même si bien évidemment Farming reste le jeu principal, hein, très clairement. Voilà. Mais enfin bref. Après, du coup j'étais en train de penser à un truc mais je sais plus quoi. C'est que ça devait pas être très important. Putain, mine de rien, on va le torcher ce champ là. Hein. On va le torcher plutôt rapidement. Hop, là. Ah oui, du coup c'est bon, j'ai retrouvé à quoi je pensais. Tout simplement parce que GTA 5 à la base, je voulais en faire une vidéo, enfin je voulais faire la vidéo des 400 abonnés sur GTA 5, mais au final, j'ai décidé de pas faire parce que j'avais déjà une autre idée en tête avant de faire sur GTA 5. Parce que tu vois, je l'ai tourné, j'ai commencé à faire un montage, puis je me suis dit non, franchement non, ça sert à rien de faire ça pour les 400 abonnés. Je trouve que l'autre idée que j'avais, je ferais mieux de faire sur l'autre idée, voilà. Donc tous ceux qui sont sur Discord normalement, ou tous ceux qui sont avec moi, enfin sur mon Discord, d'ailleurs le lien est dans la description, tous ceux qui sont sur mon Discord, et bah ils savent ce que c'est, tout simplement, voilà. Du coup, si vous voulez qu'on papote, ou alors si vous voulez avoir un petit peu des news ensemble, enfin voilà quoi, enfin, des news ensemble, si vous voulez qu'on papote ensemble, ou alors que si vous voulez avoir des news, des nouvelles, des nouveautés, des petites idées, des vidéos, tout ça en avance, bah venez sur mon Discord, le lien sera dans la description bien évidemment. Enfin bien évidemment, c'est pas forcément évident, mais bon bref, voilà. voilà, bon, on va reprendre là-bas. Du coup, ouais, voilà, donc n'hésitez pas à venir sur mon Discord, le lien il sera dans la description, je sais, ça fait 3 fois que je me répète. Mais du coup, l'idée que j'avais pour les 400 abonnés, au final, je me suis dit, ouais, je vais faire pour les 500 abonnés, puis pour les 400, je vais faire une vidéo sur GTA, etc. Et, au final, je me suis dit, ouais, non, franchement, pour les 500 abonnés, je trouverais bien une autre idée. Peut-être que je vais faire un live pour les 500 abonnés, hein, peut-être, qui sait, voilà. On verra bien. Enfin bref, du coup ouais, et puis du coup pour les 400 abonnés j'ai gardé l'idée, puis bah GTA 5, je vais faire une vidéo détente sur GTA 5 à la rigueur, mais je vais pas faire la vidéo des 400 abonnés sur GTA, non, ça j'ai pas envie, hein, très clairement j'ai pas envie. Bon, va y avoir une vidéo sur GTA 5 très bientôt, je crois même dans la semaine, genre dans la semaine, pas cette semaine, mais dans la semaine du 23 au 30, si je me trompe pas, non pas du 23, du 21. 21, 22, je sais même plus. C'est de la semaine du 22. Voilà, de la semaine du 22 au 29. Parce que j'ai une feuille à côté de moi où il y a marqué la semaine. Tout simplement. Ouais, bon, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le champ et puis on va peut-être entamer l'autre champ, là, le petit. Limite, j'ai envie de te dire, on va faire le petit aussi, comme ça, hop, c'est fait. Ouais. Et du coup, ça va être ouais, dans cette semaine-là, dans la semaine du 22. Dans la semaine du 22 juillet, normalement, vous allez avoir, à moins que bah, la vidéo soit retardée parce qu'il y a un problème, ou alors j'ai pas eu envie, ça arrive aussi. Hein. Enfin, bref, en tout cas, une vidéo sur GTA 5 ne serait-ce de tarder, c'est pas du tout français, je crois. Enfin bref, on va faire comme si de rien n'était. Je sais pas si on va le faire l'autre champ, je sais pas. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va commencer l'autre champ, mais on va pas le faire totalement, parce que du coup, on aura déjà fait deux champs entièrement. Que mine de rien, on est déjà à plus de 24 minutes de vidéo. Ouais, non, on va éviter de faire tout l'autre champ. C'est vrai que ce déchaumeur là c'est une révolution. Ah vache. J'ai bien fait de l'acheter. 7 mètres, franchement, tu le sens. Enfin je le sens parce que ce champ là je l'avais déjà déchaumé une fois, puis après j'ai mis de la chaux, puis après j'ai labouré. Là bon, je sais même pas pourquoi d'ailleurs je l'ai déchaumé celui-là, parce que il y avait déjà des pommes de terre dessus, ça il y avait une fois de l'engrais dessus, et vu que bah du coup j'ai déchaumé les patates, vu que j'ai pas envie de les récolter, hein, parce que bon, j'ai pas envie de louer la machine, etc., juste pour récolter des patates,
Enfin bref, vous voyez le délire, ou pas du tout. Après, du coup, bon, bah, il y avait déjà deux fois de l'engrais, du coup, j'avais même pas besoin de déchaumer, mais bon. Écoute, maintenant, il est déchaumé, puis c'est tout. Bah, je peux pas le descendre. Ah, si, c'est bon. Enfin bref, nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore un petit tour dans ce champ-là, et puis on va s'arrêter là-dessus, ça fera déjà une bonne petite vidéo, on va dire. On va dire que ça va déjà faire une bonne petite vidéo, ouais, de ouais, 26-27 minutes, ça sera déjà pas mal. Donc bon, moi il me restera encore le champ là-bas à faire. Après ce que je vais faire, c'est que bah, je vais épandre dans l'engrais, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux, comme ça après, bah, j'ai plus que les mauvaises herbes à enlever, hein, avec la sarcleuse. Puis comme ça, après, bon, bah, ça a le temps de pousser, hein, j'aurais foutu les deux fois d'engrais possible. Après. Voilà, avance. Nickel. Voilà. Oula. Voilà. Enfin bref. Ouais, du coup, ouais, j'ai encore un petit peu de boulot avant la prochaine vidéo. Je crois que dans la prochaine vidéo, on va passer un coup de sarcleuse ou... Enfin bref, on verra bien. On verra bien. Oula. Parce que là, justement, là, le truc, c'est que je tourne ça, on est jeudi après-midi, du coup. On n'est pas mardi, mais jeudi, comme je le pensais tout à l'heure. Enfin bref, du coup, là, on est jeudi après-midi. Ouais, du coup là après il va falloir que je tourne la vidéo sur la Belgique profonde. J'ai aussi à tourner cet après-midi tout simplement parce que bah moi le montage d'une vidéo, enfin le rendu d'une vidéo plutôt, parce que montage c'est un peu un grand mot pour ce que je fais, enfin bref, je le fais la nuit parce que de toute façon bah mon PC va s'allumer toute la nuit pour mettre en ligne une vidéo. Du coup autant faire le rendu d'une vidéo la nuit, hein, comme ça c'est fait, j'ai envie de te dire. Et vu que généralement bah, tu peux pas trop te servir de ton PC quand il fait le rendu d'une vidéo parce que ça demande énormément de performance au PC, enfin bref. Du coup je le fais la nuit et puis bah vu que la Belgique profonde il faut que je la fasse cette nuit là, bon bah je vais être obligé de tourner cet après-midi. Enfin bref, nous du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là-dessus, ouais, ça fera déjà une bonne petite vidéo de 27 minutes presque. Enfin bref, en tout cas j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.